Bonjour et bon après-midi, mesdames et messieurs de la presse ainsi que toute l'assistance. Depuis hier, effectivement, je séjourne ici à Goma, dans la province du Nord Kivu, où je suis venu accompagné non seulement d'une délégation des honorables députés nationaux, mais aussi une forte délégation des membres du gouvernement, notamment ceux qui sont directement impliqués sur la question de l'état de siège, ministère de l'Intérieur, de la Défense, de la Justice, du budget. Et dès mon arrivée, dès ma descente de l'avion, j'avais indiqué les axes de ma mission. J'avais commencé par dire que nous revenions ici dans la province du Nord Kivu de par le souci que nous avons pour les populations de cette province, souci lié directement aux questions sécuritaires. Et nous avions aussi indiqué que dans la ligne droite de la vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République, qui bien sûr a à cœur le développement de cette province, nous devions, dans la suite des visites que nous avions déjà effectuées, venir pour une évaluation. D'abord au niveau de l'état de siège, mais surtout pour un message d'encouragement à nos populations qui sont dans cette zone, ciblée par ces opérations militaires, mais encourager aussi nos forces armées, ainsi que ceux de la police. Car dans un moment comme celui-ci, c'est aussi eux qui sont au front et qui payent jusqu'au sacrifice de leur vie. Et pour cela, nous devons leur rendre hommage. C'était important que ce message d'encouragement soit fait. Message aussi de compassion et au-delà même de condoléances à ces familles qui sont affectées par ces pertes en vies humaines. Récemment, d'ailleurs, nous avons connu cette explosion au niveau du camp militaire de Katindo. Et nous avions déploré une fois de plus ces pertes. Nous avions présenté nos condoléances à ces familles attristées. Ensuite, nous avons mentionné qu'à côté de cette mission principale que nous sommes venus mener ici, nous avions aussi d'autres axes. Car comme vous le savez, très prochainement, nous allons accueillir ici en République démocratique du Congo Sa Sainteté le Pape François, sous invitation de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ces visites vont démarrer par la ville de Kinshasa, la capitale, et la seule autre ville qui sera visitée est la ville de Goma. Et donc des sites qui ont été ciblés devaient faire partie de mes visites, ainsi que des échanges en termes de préparation pour cet événement aussi que nous n'avons pas connu ici en République démocratique du Congo depuis 1985. Donc ça reste quand même un événement majeur et ça sera toujours un temps de recueillement avec un message de paix qui sera apporté ici dans la province du Nord Kivu et dans tout le pays en général. Et pour finir, puisqu'on parle des questions de paix,
il faut aussi parler des questions de développement. Parce que c'est difficile de rencontrer ces difficultés que nous avons si jamais nous n'avons pas de voie d'accès. Et donc, un accès prioritaire est mis sur les routes, les infrastructures routières. Donc, nous sommes aussi venus avec le ministre d'État et le ministre des Infrastructures pour nous pencher sur ces questions, parce que finalement, elles entrent dans le cadre opérationnel de toutes les actions qui sont menées dans le cadre de la paix et de la sécurité. Et bien sûr, à côté de ça, tout le monde sait toute la passion que le peuple congolais et chaque Congolais a pour le sport. Une activité devait être faite aussi dans ce cadre-là par rapport au stade qui a été construit récemment ici et qui devrait être donné pour utilisation à la population. Donc ça recadre un peu les différents axes de la mission que je suis venu effectuer. Elle arrive à son terme parce que j'ai eu à rencontrer d'abord dans le cadre d'un conseil de sécurité élargi les membres du conseil de sécurité pour avoir l'évaluation à leur niveau. Et par la suite, nous avons eu aussi à rencontrer non seulement les humanitaires qui sont à nos côtés dans le cadre des actions qui doivent être menées vis-à-vis des populations qui souffrent et celles surtout qui sont déplacées et qui ont besoin d'aide humanitaire. Nous avons pu rencontrer la société civile, nous avons pu rencontrer les chefs coutumiers, mais aussi les autorités provinciales, notamment les députés provinciaux. Donc tout cela nous a permis de dégager, bien sûr, ce qu'on peut dire comme point positif par rapport au déroulement de l'état de siège, mais aussi les difficultés, les défis et les recommandations, bien sûr, que nous devions recueillir de la part de toutes ces structures pour qu'à notre retour, vraiment un rapport exhaustif soit préparé avec, en première intention, Son Excellence Monsieur le Président de la République, lui qui a pris la décision d'installer cet état de siège et dans le cadre de l'évolution de cet état, doit donner une orientation. Mais aussi à travers les différentes prorogations que nous faisons au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ça résume un peu toute ma mission. Et bien sûr pour moi, c'est toujours avec plaisir que je passe du temps ici, dans la ville de Goma, à côté de ce majestueux lac qui se tient juste derrière moi et communier avec mes frères et mes sœurs de Goma. Donc merci. Après ces mots d'introduction, Son Excellence, Monsieur le Ministre du Gouvernement, nous allons prendre quatre questions en français et une synthèse en swahili. Les deux premières questions seront posées d'abord par Gisèle Kahneman, qui peut prendre le micro. Elle peut prendre le micro pour Gisèle. Elle est du Canal Afrique. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je m'appelle Gisèle Kahneman. Comme nous venons de le dire, j'ai trois sous-questions de la première question à poser, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il faudra 15 minutes. Ramassez, chacun doit poser une question et passe le micro. Monsieur le Premier ministre, le M23 demande le dialogue avec le gouvernement congolais. Est-ce que l'option est envisageable pour l'État congolais? L'Union, les États-Unis ont annoncé la coupure de financement des potentiels bailleurs de fonds des ADF. Quelle est la réaction de notre gouvernement congolais par rapport à cela? Et enfin, dossier du Congo, légitimité de pouvoir là-bas, qu'en est-il de la suite pour l'installation du vrai chef coutumier? Parce que cette question est aussi à vous de la sécurité dans ces territoires de la Congo. Merci beaucoup. Oui, merci Madame Gisèle. Je vais commencer d'abord par la dernière question, parce que, comme vous avez pu l'imaginer, lorsque nous avons rencontré les chefs coutumiers, ils nous ont bien sûr posé cette question de légitimité du chef de Okumu. Et étant donné que nous avions l'avantage d'être avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, il a pu les rassurer que non seulement il avait été saisi par leur association, mais par le chef coutumier lui-même, ainsi que le contestateur, si je peux le dire ainsi,
Et après analyse, une réponse a été donnée. Et cette installation va se faire vraiment dans les jours qui suivent, parce que ça devrait aussi résoudre une grande préoccupation qui est aussi liée à la sécurité. Donc, dans le cadre de l'échange que nous avons eu avec les chefs coutumiers, nous avons pu donner une réponse positive à cette question. Ensuite, en ce qui concerne la question des financements des ADF Nalou, ce que je veux savoir, c'est que, effectivement, nous faisons face à un phénomène terroriste de plus haut niveau et qui endeuille au maximum nos populations. Depuis d'ailleurs récemment que nous avons commencé non seulement des opérations militaires dans le cadre de l'état de siège, mais après dans le cadre des opérations mutualisées, ce sont des groupes qui se disséminent et qui sévissent dans les villages et qui continuent à nous endeuiller. Donc tous ceux qui vont dans le sens à encourager ces drames et ces actions négatives dans notre pays, nous ne pouvons que l'encourager. C'est clair. Et bien sûr, nous donnons toujours un message à tous nos partenaires de nous accompagner dans ce processus de pacification vis-à-vis de ce groupe armé qui nous vient de l'extérieur et qui a besoin d'être anéanti. À côté de cela, il y a d'autres sources de financement. Bien sûr, ici en interne, nous en avons appelé non seulement aux autres pays africains, mais aux autres pays dans le monde de nous aider dans le cadre de la traçabilité des minéraux qui sont issus des carrières illicites. Ces carrières illicites contribuent aussi au financement de ces groupes armés. Et là-dessus, nous avons aussi besoin d'avoir une assistance, un accompagnement pour qu'on puisse définitivement les couper de toute source de financement et les anéantir. Alors la question du M23, parce que vous connaissez le drame, d'ailleurs humanitaire, qui attire toute notre attention, par rapport aux exactions que nous avons eues et qui ont provoqué vraiment des masses de déplacés. Dans les questions que nous avons eues, non seulement avec les humanitaires, mais aussi avec les honorables députés, nous nous sommes focalisés sur ça, parce que là, il s'agit des vies des Congolais qui se retrouvent face à des conditions très précaires. Et nous, gouvernement, bien sûr, nous prenons notre responsabilité pour apporter cet accompagnement humanitaire. Mais nous voulons faciliter aussi l'accès à ces zones opérationnelles, à nos partenaires humanitaires qui sont avec nous, pour qu'ils puissent nous venir en appui. Et donc, bien sûr, sur ces questions de cahiers de charges qui sont mises en avant, nous répondrons par un cahier de charges de paix, parce que c'est ça que nous recherchons. Et nous sommes assez, je vais dire, vigilants sur la question. Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'il y a beaucoup de sensibilité autour de la question du M23. On a parlé des interactions, peut-être d'ordre étranger, et même du point de vue des demandes. Parce que n'oublions pas que d'un côté, nous avons le M23, mais nous avons aussi d'autres groupes armés. Et donc, dans les réponses que nous donnons, nous devons savoir que nous sommes aussi observés par ces autres groupes-là. Donc, je pense qu'ici, en interne, nous avons ces questions humanitaires à régler, nous avons ces questions opérationnelles à régler, mais du point de vue international, nous avons d'autres cadres d'échanges que nous avons, notamment dans le cadre de la communauté des États de l'Est. Et je pense qu'en combinant toutes ces actions, on devrait arriver à la pacification que nous voulons. Laurent Nyangui, de la TNC, une question. Merci bien, pour l'état de siège. Merci. Oui, merci Laurent pour la question. Je crois que si nous sommes venus ici pour cette évaluation, c'est justement pour pouvoir nous redéfinir dans le cadre de l'état de siège. Nous avons eu des opérations, parce que parlons ici du Nord Kivu, ces deux zones opérationnelles, Sokola 1, Sokola 2. Et donc, dans le cadre de ce qui nous a été présenté, nous voyons qu'il y a eu peut-être certaines avancées sur le terrain, mais d'un autre côté, il y a un besoin de ressenti au niveau de la population. Et c'est ça qui est le plus recherché. Et au niveau du ressenti, nous avons reçu des plaintes du point de vue de ces zones opérationnelles par rapport à l'état de siège et surtout
ce qui a été déploré, c'est les pertes en vies humaines. Et donc, les populations demandent à être de plus en plus sécurisées et que nous puissions avoir une approche adaptée à leur situation économique ainsi que leur situation sociale. Et donc, nous, à notre niveau, après avoir recueilli les avis de toutes les parties, nous allons avoir le temps de faire un bilan, de revenir avec un rapport précis, comme je l'avais annoncé d'antan, à son Excellence Monsieur le Président de la République, de sorte que l'on puisse orienter sur base des recommandations qui nous ont été données. Effectivement, nous en avons reçu de trois ordres. Le premier ordre était de dire que peut-être qu'il faudrait requalifier l'état de siège, étant donné que nous avons des zones où aujourd'hui c'est beaucoup plus le programme de désarmement et de réinsertion qui est voulu. C'est beaucoup plus d'ailleurs dans la partie, je vais dire sud, du Nord Kivu, où nous avons des groupes armés, mais moins virulents, si je peux le dire ainsi, et qui sont aussi volontaires à entrer dans un programme de désarmement et de réinsertion. Mais tandis que pour d'autres zones, comme la zone de Beni, où nous avons encore beaucoup d'exactions qui sont faites par les ADF MTN, là-bas, ça demande à ce que les opérations militaires soient de plus en plus accrues, même dans le cadre de la mutualisation. Donc, cette demande était de dire, est-ce que ce n'est pas possible d'aller beaucoup plus vers cette zone-là. D'autres ont simplement estimé qu'effectivement, il fallait mettre fin à l'état de siège, tandis qu'une autre tendance est de dire que nous devons peut-être nous réorganiser du point de vue opérationnel, tout en gardant l'état de siège. Et donc, toutes ces évaluations doivent être mises sur la table pour nous permettre de prendre l'orientation et la bonne en faveur, bien sûr, des populations du Nord Kivu. La lumière, on y a une question. Merci, monsieur. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci. Merci, monsieur le Premier ministre. J'ai une seule question. C'est par rapport à une question qui brille les lèvres de tous les acteurs sociopolitiques de la province du Nord Kivu. Cette question est liée à la prise en charge des militaires qui sont engagés dans les combats sur plusieurs fronts dans la province. Et il y a un mal qui est toujours décrié, c'est la corruption. Nous voulons savoir concrètement, monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui est fait actuellement pour essayer de juguler cette corruption qui est décriée. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, monsieur le Premier ministre, après l'ordonnancement des fonds du ministère des Finances et Budget, comment se fait la traçabilité de ces fonds? Et pour terminer, on voulait savoir combien, en termes de fonds, qui est envoyé dans la province du Nord Kivu pour les opérations militaires. Merci. Oui, merci pour cette triple question. Tout d'abord, ce qui est important à retenir, c'est que partout là où il y a de la corruption, parce que c'est de ça que vous avez parlé, eh ben, elle doit être condamnée et elle doit être punie. Nous avons des actions disciplinaires qui ont commencé au niveau de l'armée, menées au niveau de l'auditorat militaire avec le ministre de la Défense. Et il y avait eu une première vague des personnes qui avaient été identifiées comme étant celles qui détournaient des deniers qui étaient destinés aux opérations militaires ainsi que à certaines primes. Et pour cela, nous avions sévi. Il y avait eu jugement et condamnation, mais là où il nous a été demandé plus, c'était la poursuite de cette action. C'est-à-dire, c'est bien, on a commencé, mais il faut aller plus loin. Et à partir de ce moment-là, au niveau du ministère de la Défense, il y a une organisation pour essayer d'abord d'accroître la capacité des inspecteurs à leur niveau, ainsi que de mettre en place un système clair
de traçabilité de fonds pour chaque fois que nous avons des anomalies, nous assurer qu'il y a punition. C'est la seule manière de résoudre cette question. Ce n'est que la sanction qui peut amener une solution à cette situation. Et bien sûr, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est aussi quelque chose qui tient vraiment à cœur à Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Car vous pouvez vous l'imaginer, pour ces personnes qui sont au front, qui souffrent déjà dans les conditions dans lesquelles elles sont, si au-delà de ça, il y a des primes qui n'arrivent pas. Non seulement c'est une démotivation par rapport à l'action de guerre que nous menons, mais par la suite, c'est aussi une immoralité qu'il faut absolument condamner. Donc, ce sont des actions continues qui doivent se faire pour chaque fois arriver non seulement à dénicher, chaque fois que nous avons ce type de cas, les sanctionner et les condamner, mais alors au niveau le plus élevé. Alors, vous avez effleuré deux autres volets. Peut-être que vous pouvez me les rappeler rapidement. Les fonds. En ce qui concerne les fonds, vous devez d'abord savoir que la République, dans son fonctionnement, s'assure que nous puissions avoir une certaine couverture sécuritaire. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons des fonds qui sont alloués à l'armée pour leurs besoins de fonctionnement habituels, journaliers, hebdomadaires et mensuels. Et puis, par la suite, ici, au niveau des zones opérationnelles, nous avons des fonds spéciaux qui sont alloués dans le cadre de l'état de siège. Et ces fonds, nous les faisons en termes de collaboration avec le ministère de la Défense, qui fait remonter au-delà des besoins usuels, les besoins ponctuels qui concernent le fonctionnement et les appuis au niveau de l'état de siège. Et ces besoins tels qu'ils nous les parviennent, généralement nous viennent de manière trimestrielle et nous les adressons de la même manière. Nous avions eu une première évaluation parce que tout le monde sait que les premiers décaissements qui avaient été faits au moment où nous avions démarré les opérations militaires étaient de 33 millions de dollars. Et donc, dans le cadre de la suite des opérations que nous devons mener, nous aurons à donner les autres fonds qui ont été décaissés, là où ça a été alloué, et l'évaluation telle que nous le faisons dans le cadre des travaux que nous faisons avec la Commission de défense au niveau du Parlement. En ce qui concerne le nombre de victimes, je pense que ça, c'est l'un des sujets les plus sensibles, parce que c'est même ça notre motivation. On parle des exactions, on parle de violence, on parle de mort, ici, dans cette partie du pays, depuis bientôt, ça va faire 30 ans. On a en tout cas plus de 24 ans. Et la première motivation, c'est justement parce que nous avions des pertes en vie humaine qui nous a amené à aller sur plusieurs programmes. Aujourd'hui, nous sommes dans ce programme d'état de siège, mais il y en a eu d'autres avant, avec le seul objectif de ramener la paix et donc de ne plus avoir des victimes, des pertes en vie humaine de par l'action des groupes armés et des forces négatives. Donc, la question, ce n'est pas de savoir combien de morts nous faudra-t-il avant de mettre fin à l'état de siège, mais ce serait de dire que nous avons besoin de ne plus avoir de morts qui nous viennent de ces exactions, de ces forces négatives, et avoir la paix ici, non seulement dans le Nord Kivu, ainsi que dans l'Ituri, mais sur toute l'étendue de la République. Et donc, ma réponse, elle est très claire. Pour nous, c'est l'éradication de la violence et c'est la paix sur toute l'étendue de la République.